Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. L'homme est un être sensitif, qui par ses sens développe sa propre perception du monde. Cependant, à cette vision individuelle, nous pouvons y ajouter une interprétation culturelle qui, dans une mémoire collective ancienne et évolutive, offre un cadre bien défini qui agit sur nos comportements quotidiens sans que nous nous en rendions réellement compte. Je veux parler ici de la couleur. La couleur est la perception visuelle de l'aspect d'une surface ou d'une lumière, basée principalement sur la répartition spectrale de celle-ci, qui stimule des cellules nerveuses spécialisées situées sur la rétine nommée cône. Le système nerveux transmet et traite l'influx jusqu'au cortex visuel. Cette définition plutôt physiologique de la couleur est certes intéressante, mais ne nous permet pas de comprendre pourquoi les couleurs agissent également sur nos comportements. Pour cela, il faut remonter beaucoup plus loin. En étudiant les cultures antiques qui ont peuplé notre terre, l'utilisation de certaines couleurs avait des significations spécifiques, liées à l'histoire, la religion ou encore la société d'une culture donnée. Pour les hindous, Upanishads, qui vivaient au 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ, le rouge était la couleur du feu, le blanc la couleur de l'eau et le noir la couleur de la terre. Tout le reste était la combinaison de ces trois éléments. D'autres exemples affirment le même constat. L'homme a vite eu l'envie de retranscrire les couleurs rencontrées dans la nature de manière artistique. Pour cela, il disposait de matières brutes et a dû s'improviser alchimiste. Un des premiers exemples se retrouve chez les Égyptiens, avec la création d'un pigment bleu, appelé bleu égyptien. Au fil des siècles, de nombreux procédés ont vu le jour pour créer de nouveaux pigments, de manière naturelle, jusqu'à nos jours où nous trouvons également des pigments synthétiques. Mais au-delà de leur fabrication, que signifient les couleurs et comment modifient-elles nos comportements ? Le meilleur moyen de le comprendre aujourd'hui a été révélé par de nombreuses études scientifiques qui sont aujourd'hui confirmées par les neurosciences et l'observation des zones activées de notre cerveau lorsque nous les contemplons. Faisons donc le tour des couleurs et de leur signification. Selon 42% des personnes interrogées sur une récente enquête, le bleu est la couleur préférée d'une grande partie de la population. L'évolution des techniques de coloration a permis d'étendre cette couleur qui au Moyen-Âge était plutôt inexistante. Prenez par exemple le bleu de Prusse ou le bleu indigo. Le bleu joue un rôle essentiel dans les cycles d'éveil et d'endormissement. Il s'agit donc d'une couleur reposante qui favorise l'apprentissage et la créativité. S'associant aisément à des espaces d'immensité et de sécurité comme le ciel et l'océan, il s'agit donc de bienveillance, de romantisme et de douceur de vivre, d'où l'expression « être fleur bleue » par exemple. Attention, chaque couleur est ambivalente et peut également avoir une connotation négative. Par exemple, se faire un bleu préfigure un coup porté. À titre individuel et suivant l'expérience aussi, quelqu'un qui a failli se noyer par exemple peut vite assimiler le bleu à une souffrance ou à une insécurité. Le jaune, couleur primaire, est lui moins apprécié en Occident, contrairement à l'Asie, où il a une signification impériale. Il s'agit de la couleur de la trahison et de l'infidélité. Les aspects positifs du jaune sont réservés plutôt au doré. Pourtant, le jaune est associé au cerveau cortical droit, qui permet une très grande capacité d'intégration des données. Cette couleur permet donc de faciliter le travail en groupe dans des domaines artistiques ou de planification stratégique.
Concentration et enthousiasme communicatif sont maîtres mots. Il s'agit d'une couleur bien ancrée dans le réel qui permet rapidement une concentration de notre part. Prenez par exemple les gilets jaunes et toute signalisation utilisant le jaune. Le rouge se place sur deux axes, le feu en connotation positive et le sang en connotation négative. C'est une couleur chaude qui permet ainsi de ressentir la chaleur. Prenez les doudounes des guides de haute montagne, par exemple, qui sont généralement rouges et permettent de ressentir une température supérieure de 2 à 3 degrés, contrairement au bleu qui refroidit. Bien évidemment, il s'agit d'une perception. Tout le monde ne voit pas le même rouge, suivant la qualité de ses photorécepteurs. Le rouge est une couleur très intense qui améliore le métabolisme humain, augmente le rythme respiratoire et la pression artérielle. C'est un excitant. Le rouge stoppe et alerte, il impressionne, il séduit et renforce. Le rouge clair représente la joie, la sexualité, la passion, la sensibilité et l'amour. Le rose, lui, signifie la romance, l'amour, l'amitié et dénote des qualités féminines, rassurantes et joyeuses. Certaines prisons et hôpitaux psychiatriques sont peints en rose pour apaiser et insuffler une certaine sécurité protectrice. Le rouge foncé, lui, préfigure la vigueur, la volonté, la rage, le leadership, le courage, la malice et la colère. Le rose, lui, qui est finalement un rouge pâle, a désormais sa propre identité en symbolisant la féminité, mais également l'érotisme et la politique par exemple. Il a également des effets physiologiques sur le sommeil profond et d'autres étapes psychologiques non négligeables, comme l'apaisement et la réduction de l'agressivité. Associé à la petite enfance, il signifie donc la compassion, l'éducation, l'amour, la tendresse, la gentillesse, l'empathie et la sensibilité. Mais il peut rapidement déraper vers la mièvrerie, le manque de volonté et de confiance en soi, comme par exemple avec la littérature à l'eau de rose. Le orange, obtenu à partir du mélange du rouge et du jaune, joue un rôle secondaire dans le symbolisme et donc dans notre pensée. Il signifie l'enthousiasme et l'exaltation. Plus il vire vers le rouge, plus il est ardent, passionné et créatif. C'est également un symbole de fertilité et une couleur pleine de saveurs, de goûts et d'arômes. Il provoque une stimulation de l'appétit, d'où son utilisation en publicité pour les aliments. Entre le jaune et le rouge, il est également synonyme de modération. En Chine, il représente la perfection et chez les bouddhistes, l'illumination. Associé à la sociabilité, l'originalité et l'extraversion, il peut également avoir une connotation négative comme la frivolité et le mensonge. Pour terminer, le vert. Il a une signification très large et très complexe. La psychologie, le marketing, la philosophie orientale, l'observation de la nature et la société moderne ont recours à la symbolique du vert. Elle est la plus compliquée à interpréter. Cependant, elle fait référence à la croissance, la fertilité ou encore l'exubérance dans la nature. Le vert pâle, lui, a une connotation négative, de problèmes digestifs, de nourriture avariée. Cependant, c'est une couleur qui détend et redonne de l'énergie. Symbole de l'amour de la nature, il entretient et renouvelle les liens. Couleur amicale et gardienne des secrets, elle est le signe de la prospérité et de l'abondance. Si vous aimez le vert, vous aurez tendance à être mature, sensible, ouvert d'esprit et à porter une attention particulière à l'environnement. Son orientation négative, par contre, révèle la possessivité, le matérialisme, l'avarice, la sournoiserie et la tromperie. Voici donc une brève signification des couleurs dans notre monde occidental. Attachées au passé et tournées vers l'avenir, les couleurs modifient nos comportements et peuvent donc vous donner de précieux renseignements sur l'autre, mais également sur la manipulation marketing qui en est faite. Pour cela, je vous conseille de regarder Jean-Gabriel Cosse, qui est un designer français spécialisé dans les couleurs et qui déchiffrera pour vous l'utilisation des couleurs dans le marketing pour que vous soyez de bons consommateurs. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. À la notion de culture liée à l'interprétation de couleurs, n'oublions pas que nos perceptions individuelles sont uniques et que ce symbolisme s'arrête à notre propre perception.
Placer du verre sur un produit alimentaire, par exemple, le rend plus naturel. On appelle cela du greenwashing, si sa composition n'en est pas vertueuse pour autant. L'ingéniosité des publicitaires pour appeler notre inconscient à agir sur notre conscient est de plus en plus aiguisée. Aussi, pour sortir de ce cercle infernal de consommation, rien de mieux que de comprendre comment nos comportements sont influencés par notre perception des couleurs. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Comment c'était ? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui. Green, comment ? Oh, super green. Aussi green que ça peut être. Green, la puissance green, 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 tu vois. Mais alors, tu vois le green, green, absolument. Green, green, green.